Ouais, dindon sphère, le petit dindon, ça vaut quoi? On est là pour quoi? D'accord? Parce que Iceberg, il est bugué. Il est bugué, pas comme je pensais. Il est bugué sa mère, il pue sa mère. Je t'explique. Normalement, Iceberg, je te montre. Hein. Pourquoi il y a... Attends, c'est quoi ça? Pourquoi j'ai ça, là? Normalement, j'ai pas ça, je peux pas sortir de l'écran, normalement. Oh, ton père! J'ai pas activé un truc, quand même. Est-ce que j'ai activé un truc? Est-ce que j'ai activé un truc? Mais non, normalement, je peux pas. Putain. Voilà, Taras. Regardez, vous êtes prêts? Allez, on y va. On y va, c'est parti. Vous êtes prêts? Regardez, il va m'attaquer. Allez, bim. Et voilà, vous avez vu? J'ai pas mis de parade. Oh, j'avais plus les mains sur le truc. Ah, les deux pouces sont là. On recommence. Tac, tac, tac. Tu tapotes. T'envoies le SP1. Bim. Normalement, si tu es au contact, t'es pas censé perdre tes charges de glaçons. Donc là, j'ai une 8. Bim, il me tape. Et en plus de ça, elles sont même pas additionnelles. Normalement, c'est des dégâts d'énergie. Normalement, tu fais une parade. Bim, ça explose. Donc Iceberg, là, c'est quasiment... c'est plus jouable. C'est plus jouable comme nous, on avait l'habitude de jouer. Je tiens à le dire. Voir, attends. Attends, maintenant, je fais ça. Ah là, vous avez vu la différence? Là, j'en avais 9. J'ai fait un petit 53 000. Tac. On va lui mettre des glaçons. Tu vois, elles expirent direct. Donc, il n'y a même plus les dégâts additionnels. Donc, ça devient... Là, franchement, aïe, c'est de la merde. Ah, c'est de la merde, je suis dégoûté. Ah ouais, putain. Aïe, kabam. Tu vois, c'est même pas au compte. Il y a encore plus fou. Vous avez vu ou pas? Regarde, je vais mettre des engelures. Je vais essayer de le prendre une pêche. Elles explosent quand même. Ah bah là, elle n'a pas explosé, là, par contre, sur le spé. Là, elle a explosé, non? On va essayer juste quand on se fait cogner, tant. On va essayer de lui en mettre une. On va essayer de lui en mettre un max. On va juste prendre un coup classique. Voilà. Voilà, 3. Voilà. Ah non, c'est vraiment au contact. Hein. Ah non, j'ai cru que j'avais réparé mon iceberg. Non, bon, en fait, c'est bien ça. Donc là, je viens de faire le cobaye. Donc là, on en a deux. Bim. Dès qu'il te touche, il perd ses engelures. Voilà. Dès qu'il te touche, il n'y a plus les engelures. Ok, d'accord. Donc on place la vague de froid, il y a les engelures, sauf que les engelures maintenant elles avaient la preuve, elles explosent au contact, là, Théma, elle nique ta mère, carrément, ah ouais. Je suis désolé pour les insultes, mais allez vous faire enculer, kabam, fortement, ah je craque. Ah ouais, elles vont nous sortir un nouveau contenu, nécromant couille, pour les grosses couilles, ah ouais, nécromant te pu, hein, avec un gros wad, un fion, et tu vois le petite légende qui se fait pousser comme ça, hein, légende il va rentrer dans le cul du mec, après ils vont nous prendre nécromant couille, ah il vous faut 7. 7, non j'exagère, peut-être 5, 6, 7 R2, voire un 7 R3, sinon vous ne pourrez pas avoir le nouveau titre, sinon vous ne pourrez pas être dans les petits papiers de cabane, sinon vous ne pourrez pas vous amuser correctement. Et nous de notre côté, ah, comme des glands, on va forcer mieux ça, entre ça, les Battlegrounds, mon frère, non mais il faut faire quoi en ce moment le jeu là? Il faut faire 3 heures de VS pour économiser, donc sauf si tu prends des offres et tu payes, tu vas encore me dire, ouais bah t'as qu'à payer, non j'ai pas envie de payer pour un putain de jeu mobile, ou quand ton bonhomme il joue bien, quand ton iceberg il déchire, on te le casse en deux, on te le broie, on en fait une merguez. Ah ouais, non, ça en perd son principe, ça en perd son... Ah, mais il a toujours ses immunités, son spé, il fait toujours la vague de froid, il n'y a pas d'évasion. Et sinon, moi je veux mettre une parade. Pam, brise-garde et je nique sa mère. J'ai pas envie qu'à chaque fois au contact, je perde tout. Sinon, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de sens. D'accord? Il est là le truc. Pourquoi cette lumière là-bas? Une lumière, c'est pas logique. Ok, donc voilà, je le redis. Kabam ou casser les couilles, au lieu de sortir des contenus de merde, au lieu de toujours essayer de faire raquer les gens et nous faire perdre notre temps sur le jeu, parce que les Battlegrounds, mon pote, j'ai vu des teams où il faut 750 000 en Battlegrounds de score. C'est plus un score. Là, c'est tu dis adieu à ta famille, frérot. Là, putain, il faut jouer 3-4 heures par jour. Et encore, je dis 3-4 heures par jour. Il faut faire 3 heures de BG, 3 heures de VS, QAGA. D'accord? Une fois que t'as fait tout ça, il faut que tu vis une vie normale. Donc ça veut dire qu'il faut que tu fasses des choix dans ta vie. Et c'est le jeu, visiblement. Le jeu passe avant tout le reste. Enfin, à un certain niveau. Si tu joues un peu comme je joue actuellement à la balle les couilles, maximum, je fais même pas 2 heures par jour. Je fais 1 heure et demie par jour. J'ai que 100 000 points à Battleground. Il me reste encore minimum 300 000 à faire. Je suis loin de tous les events. Ouais, donc, ouais, kabam, au lieu de nous casser les couilles à pondre des contenus corrosifs comme ça et des contenus cancer qui font chier la moitié des gens. Franchement. Sur la communauté totale, ils doivent être 1000 à faire ça.
Trop bien les Battlegrounds! C'est génial les Battlegrounds! Oui, ça rapporte des putains de recs, je nie pas les récompenses qui sont juste splendides. Mais avant, j'allais sur ce jeu, j'allais pas pour rester 5 heures. Maintenant, s'il faut que je reste 5 heures sur le jeu pour avoir des récompenses, bah c'est qu'il est plus fait pour moi le jeu. Voilà. Donc voilà les petits dindons. Allez tester Iceberg. Là, carrément, il y a Apocalypse, je vous dis, je voulais faire le test avec Apo, mais vu que j'ai gueulé, j'ai plus de salive et je suis énervé. En gros, le bail, c'est quoi? C'est à ce qui paraît, tu prends un pot. J'ai essayé tout à l'heure, ça n'a pas marché. J'ai réessayé, ça n'a pas marché. Tu envoies les spé dans la garde et ça applique quand même les debuffs. Ouais, ce qui paraît. Donc ça arrivait en Battleground à 2-3 personnes. Moi, ça m'est jamais arrivé. Peut-être que c'est défensif. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que Iceberg, il est buggé et que ça casse les couilles. D'accord? Tout à l'heure, je l'ai testé et j'ai dit, ah, c'est trop bien en Battleground parce que c'était un home top. Et home top, tu peux pas lui mettre un brise-garde facile. Tu vois, parce que si. Après, il est frénétique, le con. Il te frénétise ta gueule. Et j'ai pas envie qu'il me frénétise ma gueule. Du coup, bah, j'avais dit, oh, mais c'est génial, je suis une parade, ça lui a envoyé tous les dégâts. Du coup, j'ai gagné mon Battleground en 35 secondes. Je me suis dit, putain, c'est génial, ça allait super vite et tout. Sauf que sur le reste des contenus, ça va pas être folichon cette histoire. Tu vois. Surtout que le personnage, il est pas censé se jouer comme ça. Bref, je me garde dans tous les sens, mes petits dindons, voilà, je suis en colère. Je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne gifle à tous, ça va être très importante. D'accord, toujours sur la joue, là où c'est mou. Sinon, ça fait des bleus. Ouais, à plus tard. Ouais.